grand large est le royaume des oiseaux de mer. Une seule raison pour regagner la terre, élever des poussins. Une fois par an, ils abandonnent la haute mer pour revenir s'installer par milliers sur les côtes les plus inaccessibles, comme ces hautes falaises d'Islande. Haut comme trois pommes, les macaremoines se transforment chaque printemps en perroquets des mers. D'ordinaire, leur bec multicolore est petit et noir. Mais pour la saison des amours, il se pare de couleurs éclatantes. C'est ainsi que les macareux se font beaux. C'est leur parure nuptiale. Les macareux s'installent dans des prairies avec vue sur la mer. Comme les lapins, ils creusent des terriers au fond desquels ils cachent un œuf unique. Les macareux reviennent de la pêche avec de belles moustaches brillantes. Ils sont les seuls oiseaux à pouvoir saisir autant de poissons en même temps dans leur bec. Parfois, plus de 50. Leur secret? Ils coincent leur proie entre la langue et la partie supérieure du bec. La partie inférieure reste libre et les macareux peuvent continuer à pêcher de nouveaux poissons sans avoir besoin de revenir au nid. D'envergure. Les fous de basson sont les plus grands oiseaux marins de l'Atlantique Nord. Leurs becs sont redoutables. Attention à ne pas se poser sur le nid du voisin. Chacun fait plusieurs tours au-dessus de la colonie pour se faire reconnaître et pour trouver le meilleur angle d'atterrissage. Face au vent. Sur l'île de Skrodur, au large de l'Islande, les matériaux disponibles sont rares. Les nids sont faits de briques et de brocs. Les fous de basson récupèrent tout ce qui flotte. Des algues, des plumes, des filets de nylon, des bouts de ficelle. Un lieu sûr pour la colonie. Les prédateurs hésitent à s'y aventurer. Mais le prix de la sécurité, c'est le manque d'espace. Pour la parade nuptiale, pas question de danser ni de sauter comme les grues. Alors les fous de bassin ont inventé la danse immobile. À chacune de leurs retrouvailles, c'est le même cérémonial.
bec effilé comme un poignard devient l'instrument des caresses les plus tendres. Les fiançailles peuvent durer plus de 2 ans, mais une fois le couple constitué, c'est pour la vie, pour 20 ans. Les Guillemots vivent en rang serré, au bord du vide. Des lunettes blanches, ce sont tous des Guillemots de Troil. Leurs minuscules territoires sont défendus vigoureusement. Des atterrissages mal contrôlés entraînent d'éternelles disputes, toujours avec les mêmes voisins tout au long de leur vie. Car chaque année, pendant 15 à 20 ans, ils retrouvent exactement le même endroit pour s'y reproduire, et au centimètre près. Pour tenir tête aux labes parasites. Il harcèle sans répit pour la forcer à régurgiter ses proies. Mieux vaut parfois lâcher son poisson et avoir la paix que risquer d'être blessé ou tué. Bientôt, les poussins quitteront la paroi abrupte où ils sont nés pour passer 2 à 3 ans en haute mer, sans jamais revenir à terre. Les talents du macareux.
Il n'attrape qu'un seul poisson à la fois. Et à chaque retour de pêche, c'est toujours les mêmes prises de bec. Tiennent à peine dans les airs. Elles ressemblent davantage à des nageoires. En fait, c'est sous l'eau que des guillemots volent de mieux. En été, les nuits islandaises sont très courtes. À peine couché, le soleil se lève déjà. Les oiseaux sont actifs 24 heures sur 24. Les macareux se laissent flotter dans le vent au-dessus des falaises. Ils ont été décimés sur les côtes françaises. Cible facile pour les chasseurs. Ils étaient tirés au fusil ou attrapés avec des filets. Comme des papillons. Les grands labs sont des pirates qui s'attaquent aux plus faibles, les macareux. Le but de l'opération est de dérober les poissons. Mais à l'occasion, ils ne se privent pas d'attraper le pêcheur. De Guillemot est âgé de 3 semaines. Il n'a qu'un duvet blanc et gris. Il ne s'est pas encore volé. Et pourtant, le moment est venu pour lui de quitter la colonie.
Il rejoint ses parents qui l'attendent au pied de la falaise. C'est en pleine mer qu'il va terminer sa croissance. C'est là qu'il apprendra à pêcher et aussi à voler. Le jeune Guillemot passera l'essentiel de son temps à flotter comme un bouchon au gré des courants. Il sera une des premières victimes des marées noires. 12 décembre 1999, le pétrolier Erika s'échoue au large des côtes bretonnes. 200 000 oiseaux meurent. 80% sont des guillemots. Il faut 3 mois à ces poussins de fou de bassin pour atteindre la taille de leurs parents. Ils devront s'entraîner de longues semaines avant de devenir des pêcheurs hors pair. L'âge restera sombre jusqu'à l'âge de 4 ou 6 ans, quand le temps sera venu pour eux de fonder une famille. Le fou de bassin plonge à plus de 100 km/h. Quand il transperce la surface de la mer, son œil s'adapte instantanément à la vision sous-marine. Thank you.
passant est un miraculé. Comment a-t-il pu échapper aux mailles d'un filet pour ne garder en souvenir qu'un collier bleu? Chaque jour, des centaines d'oiseaux de mer meurent noyés, empêtrés dans des filets de pêche. C'est pour eux que les oiseaux de mer sont venus à terre. Bientôt, ils regagneront le grand large. Et l'île ne résonnera plus que du bruit des vagues et du mugissement du vent. De l'autre côté du globe, autour du continent glacé de l'Antarctique, plus rien n'arrête les vagues des mers australes. Quelques rochers émergent ici et là, entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. C'est là que se donnent rendez-vous chaque printemps les oiseaux de l'extrême, les manchots et les albatros. Le jeune albatros passe 5 années en pleine mer, seul, avant de revenir pour la première fois à terre. Il est le plus grand oiseau de la planète, 3,50 m d'envergure. Il regagne l'archipel des Crozets, à l'extrême sud de l'océan Indien. Pendant ces années d'errance, le jeune albatros a déjà volé des centaines et des centaines de milliers de kilomètres, plusieurs fois le tour du monde. S'il revient pour la première fois sur l'île où il est né, c'est pour se fiancer. Parade. Leurs fiançailles vont durer 3 à 4 ans, jusqu'à ce qu'ils trouvent le partenaire idéal avec lequel ils passeront le reste de leur vie. Quand un couple est formé, c'est pour 60 ou 70 ans. Un albatros vit aussi longtemps qu'un homme. Yeah.
Les albatros ne passent que très peu de temps ensemble. Quand l'un pêche, l'autre reste au nid. Le couple se relaie une fois tous les 15 jours pour couver l'œuf, puis garder le poussin. Les albatros vont mettre des années avant de trouver le bon rythme et réussir enfin à élever un jeune. Ces animaux qui bondissent dans les vagues ne sont ni des poissons, ni des dauphins, mais des oiseaux, des manchots. Ils ont perdu depuis longtemps l'aptitude au vol au profit d'une nage toujours plus rapide. Profilés comme des torpilles, ils couvrent chaque année des milliers de kilomètres. Les gorfous sauteurs reviennent d'une partie de pêche à 150 km au large. Ils ont poursuivi les poissons jusqu'à 100 mètres de profondeur. Leurs poussins les attendent au sommet de cette île des Malouines, au large de la Patagonie. L'endroit est tranquille, encore faut-il y accéder. La croissance des poussins est spectaculaire. Ils deviennent plus gros que leurs parents. Ils auront ainsi quelques réserves lorsqu'ils devront apprendre à pêcher tout seuls. Comme les manchots, le cormoran impérial nourrit ses poussins d'une régurgitation huileuse à base de poisson très riche en graisses et en protéines.
La colonie des albatros à sourcils noirs est très dense, mais plutôt calme. Le nid est une tour d'argile durcie par le vent et le soleil. Chaque couple a le sien. Il le gardera toute sa vie. Une telle foule ne manque pas d'attirer les prédateurs, comme les caracara et les grands labes. Ils se chargent d'éliminer rapidement de la colonie les oiseaux malades et les cadavres. Les albatros ont besoin d'un vent puissant. Si ce n'est pas le cas, l'envol peut être difficile. Une fois dans les airs, l'albatros ne dépense quasiment plus d'énergie. Il peut voler des jours entiers sans se fatiguer. Les albatros se nourrissent de cadavres de poissons ou de calmars flottant à la surface des océans. Éternels solitaires, ils se regroupent aujourd'hui pour suivre les bateaux de pêche et ramasser des déchets. Attirés par les appâts, les albatros meurent souvent noyés, un hameçon planté dans la gorge. Le nid des albatros fuligineux est installé à flanc de falaise. Pas besoin de courir pour décoller. Il suffira de se jeter dans le vide.
La place est restreinte. Voler ensemble, c'est la parade nuptiale des albatros fuligineux. Les manchots royaux reviennent de la pêche. Ils ont la taille d'un enfant de 3 ans, 95 cm. Premier objectif, repérer leur partenaire dans la foule des manchots qui se pressent sur cette plage des îles Crozet. Les royaux se reconnaissent au milieu du vacarme assourdissant de la colonie. Chaque manchot émet deux chants en même temps sur deux fréquences différentes. C'est une carte d'identité sonore unique, plus efficace encore que nos empreintes digitales. Mais les retrouvailles peuvent prendre un certain temps. Explorateurs ont cru que les manchots royaux étaient recouverts d'écailles, comme les reptiles. Les manchots royaux n'ont pas de nid. L'œuf est posé directement sur leurs pieds. L'élevage du poussin dure plus d'un an. Pour le nourrir, les parents font des allers-retours incessants entre les zones de pêche et la colonie. La ponte des œufs s'étale sur près de 4 mois. Des poussins, tout juste sortis de l'œuf, côtoient des jeunes, déjà vigoureux. Le géant, qui vit en marge de la colonie, repère la proie la plus facile. Les adolescents en train de perdre leur duvet ne l'intéressent pas. Ils sont déjà trop grands. Ce sont les jeunes poussins isolés.
L'environnement se modifie à une vitesse fulgurante. Le réchauffement climatique modifie les courants marins et perturbe le cycle de vie des poissons. Les oiseaux de mer vont de plus en plus loin pour trouver leur nourriture. Et il leur faut revenir à temps pour que les poussins survivent. Masters of